Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Warren et ici vous êtes sur Guerrier Mental et Diaspora Africaine. Ici on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui vous parlent, deux choses à faire. La première, vous vous abonnez à la chaîne et vous partagez la vidéo autour de vous et vous nous suivez à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors, aujourd'hui en fait, on va vous montrer un peu le petit boulot qu'on va faire. J'appelle ça petit boulot parce que pour nous en fait, avec l'expérience, on comprend une chose, c'est qu'au fur et à mesure que tu fais quelque chose, après tu réalises maintenant que tu as de l'expérience et du coup, tu commences à négliger certaines activités parce que ça devient quelque chose de répétitif. Alors, ici, on a une petite maison, voilà, une petite maison de deux chambres, une douche avec un sous-sol. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer ce à quoi ressemble la maison quand elle est sale, bien évidemment. Et bien évidemment, ce qu'on va aussi faire, c'est qu'on va monter la maison quand elle est propre. Là, d'abord, c'est quand elle est sale. Vous voyez un peu tout le travail qu'on va faire. On va nettoyer le sol. On va aller en long et en large sur les fenêtres là, histoire de montrer combien de fois on va évoluer tout au long du travail. Donc, c'est ce à quoi on va faire. Et ensuite, on va venir ici au niveau du salon. Vous voyez comment il y a beaucoup encore de poussière par terre et de résidus, de peinture et tout ce qui va avec. Et ici, c'est la deuxième chambre. Là où également on va toucher les fenêtres, on va toucher le sol et on va toucher ce qu'on appelle les baseboards. Les baseboards, en fait, ce sont les recoins des maisons là, en fait. C'est-à-dire les recoins parce que souvent les clients sont très regardants par rapport à ce genre de détails, en fait. Donc, on va toucher ça également. Et on va venir au niveau de la douche. Au niveau de la douche, justement, comme c'est une douche avec, on va dire ça comment? Avec baignoire, ce qu'on va faire, c'est que clairement, on va toucher la baignoire de long en large, on va aller même sur les côtés là, pour prendre les côtés là, pour make sure que le client soit satisfait. On va faire l'intérieur, l'extérieur également, voilà. On va nettoyer tout ça là, et on va faire également les toilettes. Voilà. Donc, et ensuite, on va terminer par la cuisine, bien évidemment, oui, on va terminer la cuisine. La cuisine, ici, on va tout faire. On va faire le micro-ondes, qui est très très voilà qui n'est pas on sent que ça a beaucoup travaillé. On va faire le four, bien évidemment le four on va faire l'intérieur, voilà, on va faire ça. Et également ce qu'on va faire ici également c'est qu'on va faire les frigos, c'est-à-dire on va faire le frigo l'intérieur et l'extérieur et voilà quoi. Donc c'est un peu ça, on va également toucher tout ça là et puis voilà quoi. Donc les amis, c'est un peu ce qu'on va faire, on va également toucher de cette zone là et ensuite le basement. Alors, donc, comme je vous disais, c'est un peu pour nous, ça devient tellement une habitude que du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est juste un petit boulot, un boulot de routine, parce que voilà quoi. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve juste après pour la deuxième partie. Sur ce, à tout à l'heure. Ok, les amis, là, comme on vous disait, c'est la deuxième partie de la vidéo. Là, maintenant, on va un peu vous montrer ce à quoi la maison ressemble maintenant qu'elle est propre en fait. Voilà tout ce qu'on a pu faire. Avec mon équipe, tu peux venir là, tu montres un peu là comment c'était sale ici quand on est arrivé. Et voilà, on a vraiment rendu ça impeccable. Voilà, on a fait du mieux qu'on a pu. Même au niveau du sink là également, on a charbonné là. On a fait tout ce qu'il fallait. Là aussi, pareil. Voilà, on a fait ce qu'il fallait. Et maintenant aussi, au niveau des toilettes, quand vous êtes arrivé. Souvenez-vous que les toilettes là n'étaient pas beaux. Donc mon équipe a rendu ça avec on va dire la baignoire et tout ce qui va avec. Là maintenant ça brille, là c'est comme ça on brille la tête là. Et là ici, regarde au niveau de la chambre là, on a travaillé cela, on a fait ce qu'il fallait, voilà quoi. Donc, ah ouais. On a fait ce qu'il fallait. Donc voilà. Donc les amis, abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo autour de vous, laissez un like, laissez un commentaire. Si vous avez besoin de nous contacter, nous. Et sur ce, on se dit à la prochaine.